Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Abalone, qui est sorti le 11 mai à 28,99€. Alors, c'est ce qui m'amène à me poser un peu des questions. Alors là, je joue à la démo. Aujourd'hui, il y a peu de jeux qui dépassent les 20€, les 25€. Et souvent, en fait, les jeux, même en dessous, sont excessivement bien. Donc, qu'est-ce qui peut amener un jeu à nous dire « Bah écoutez, je vaux plus que ça ». Parce que hormis les AAA, il n'y en a plus beaucoup. Je suis curieux. On va faire le tuto. On va voir de quoi il s'agit. Et en fonction, on va se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ce qui est assez drôle, le tuto marqué durée 15 minutes. Et là, vous ne voyez pas, combat, il y a marqué durée 4 à 6 minutes. Donc le tuto a l'air plus long que de jouer. Par contre, l'aventure, ils sont très honnêtes. Durée moyenne, combat 3 à 5 minutes. Chapitre 1 heure, campagne 3 heures. Ça, je trouve ça très bien. Au moins, pas de surprise. Genre, j'ai lancé, j'ai pas le temps. Commencez le tutoriel et mettra fin à votre aventure en cours et réinitialisera. Oui, on avait commencé vite fait. Blablabla. Bla bla. Alors, vous êtes le guide, prélude, les aventuriers, blablabla. Bla bla. On se déplace. Ok, il y a un peu de diagonale, très bien. Si je tape, si j'appuie, ça se passe rien. Ok. Alors, c'est là que ça commence, les emmerdes. Faites glisser Sylvia vers un ennemi pour aller jusqu'à l'attaquer. Comme ça. Pan. Il est mort. Oh, il est nul. Bravo, chaque unité peut être commandée une fois par tour. Le mouvement et l'attaque sont combinés en un seul geste. Ok. Fin de tour. Us. Plat. Contre-attaque. Il meurt. Us. Qu'une contre-attaque. Ok. Personnage levant les yeux. Les personnages vous regardent comme un dieu, vous indiquant s'ils sont prêts à recevoir vos ordres. Le contact visuel vous aide à également vous connecter avec eux. Vous pouvez régler ou désactiver ce comportement dans les options du jeu. Ok. Ouais, c'est bon, vas-y. Hop, ça meurt. Bien sûr, il a drop une carte, Loup. Nouveau, ok. Unité nature reste avec vous à la fin du combat. Loyal, chaque unité alliée gagne plus jusqu'à son prochain tour. Ouais, putain, trop bien. Votre main contient 3 cartes. Faites glisser une carte depuis votre main pour lancer un sort. Les cartes jouées vont à la défausse. À la fin du tour, piochez pour compléter votre main à 3 cartes. Ok. Utiliser pour lancer des sorts, génère 3 manas partout en combat, accumuler jusqu'à 5 manas. Ok. Pousse toutes les unités devant. Wood. De 5 cases, on prend. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Avantage à celui qui commence. Vous avez la chance de pouvoir jouer en premier, une position très avantageuse. Pour contrebalancer cet avantage, le joueur qui joue en premier ne génère que 2 manas au lieu de 3. J'ai compris. Ça, ça coûte 1. Je peux le mettre là. Est-ce que je pourrais traverser après? J'ai un doute. Vous avez reçu un bonus. Faites un clic droit sur l'unité pour voir les bonus. Listé. Sauf indication contraire, les bonus durent jusqu'à la fin de la bataille. Ok. On va le frapper. Crac. Quand vous voyez la dague, vous savez qu'il s'agit d'un coup en traître. Les unités attaquées dans le dos ne peuvent pas contre-attaquer. Ok, très bien. Mais là, je peux pas bouger. J'ai fait de la merde. Ah, attends, je souffle. Allez, ils se sont pris les ronces, ils sont morts. Oh là 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 là. Oh, le PGM. Ok, le loup reste, donc j'ai pas besoin de le réinvoquer. Faites 2 dommages de feu à tous sauf aux alliés adjacents. Ok, parfait. Si je vais dedans... Ah, je peux les taper. Je perds pas de PV. Ok, parfait. On vérifie. Je suis pas des loot. Ok, parfait. Y'a Cud. Oh, changement d'arme. Je suis devenu un magicien. Aptitude. Vous avez trouvé nœud de chaîne et débloqué le pouvoir impressionnant du druide qui permet de lancer des écureuils sur vos ennemis. Chaque unité d'Albion a une carte qui explique ses caractéristiques. Faites un clic droit sur n'importe quelle unité pour voir sa carte. Voir la carte. Invocateur. Longue. Okay. Les invocateurs peuvent lancer des sorts. Si le vôtre est vaincu, vous avez perdu. Ok. Une distance, attaque à portée illimitée. Ne peut pas à la fois se déplacer et attaquer à distance. Bien sûr. Lance. Un écureuil 1-1 fait 1 de dommage. Ok, très bien. Longue distance, on a compris. Lancer un écureuil sur le baril de poudre. Oui. Je sais pas si ça va être bien vu, mais bon, voilà. Excellent. Souvenez-vous que utiliser longue distance, votre cible ne peut pas être proche, c'est-à-dire ni adjacente ni directement en diagonale. Oui, très bien. Bon, ça, j'aurai le loup. Ok, j'aime bien le visuel. J'aime bien le visuel. Prendre là. Parfait, ça prend tout. On évite de perdre du temps. Est-ce qu'il y a pas un petit truc planqué là? Non, ok. Il se met à pleuvoir. Très bien. Est-ce que je peux la... Allez hop,
Merde, mercenaire loué. Un guerrier à l'allure redoutable offre de vous rejoindre au prix de 300 pièces. Voir la carte. Conservateur. Le sort insectoïde coûte 1 de moins. Volant. Volant, c'est quoi? Peut surveiller les unités et les obstacles. Ok, soutien. Soit une de 4. Un œil de statue. Vas-y, je le prends. Trop bien. Qu'est-ce qu'un gardien? Les gardiens sont des alliés permanents qui protègent votre invocateur. Toute carte d'unité qui coûte 4 mana peut se servir de gardien. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 gardiens. Pour constituer votre équipe, les gardiens qui vous ont quitté ou ont été terrassés au combat peuvent réintégrer votre équipe lorsque vous campez. Lorsque vous êtes en campement, vous pouvez aussi ajouter des cartes de gardien à votre jeu pour les utiliser comme des créatures invoquées. Ok, parfait. Donc là, j'ai 2 gardiens. Let's go. Faudrait que je récupère de la vie à un moment. Combat. Ok. Vas-y. Ok. Très difficile. Faut oublier, votre vie va augmenter, va blessure, j'ai compris. On va récupérer les cartes. Donne un allié plus 0 plus 3, il s'agit d'une plante, donne... s'il s'agit d'une plante, plus 0, plus 5, ok. Très bien, ah et là faut que je choisisse. Épée, perfor. Ah ouais, mais ça, ça va me transformer en guerrier alors. Invoque de la peinture. Ça a l'air pas mal ça. Le petit lapin qui tue. Ça, y'a pas un mec qui veut taper dedans? Non. Ok. Ah, on va avoir un vrai combat. On va avoir un vrai combat. Aou! Ok, ils me regardent tous comme des cons en fait. Ok. Je comprends le truc. Alors. S'il se met là et qu'il fait ça, allez. Scrunch. Il meurt, parfait. Lui, il va là et il tape là. Shtouk, ok. Hop, l'écureuil. Ah oui, l'écureuil. Contre-attaque et double meurt. Ok. Ah oui, puis ça... Non. Ok, fin de tour. Fin de tour. Vous avez encore des cartes, vous pouvez jouer... Oui, je suis sûr de vouloir terminer mon tour, monsieur. Vas-y, frappe-moi. Tu contre-attaque, tu meurs, ça dégage. Parfait. Parfait. Croissance animale. Plus 3, plus 3 à un animal allié. S'il est petit, il mute. Ah, trop bien. Et ça fait quoi, la mute? On sait pas. Transforme un arbre en 4-5. Ok. Vas-y, j'ai trop envie de faire muter un écureuil. On va faire muter un écureuil, j'espère que vous êtes prêts. C'est du jamais vu sur internet. Hein. Si, si. Si, si, je vous assure. Hop. Il tape à 4. Il pourra pas tuer le gros big boss là. Ok. Vas-y, on récupère un spell. C'est gratuit. Ah, il a tué, merde. Il a tué le petit écureuil. Hop, ça dégage. Yes, trop bien. Trop bien. Est-ce que quelqu'un a assez de portée? Non, on va l'attendre. Comme ça, il va aller taper les petits écureuils, là. Il va se faire contre-attaque. Zip, ça meurt. Fin du game. Trop bien. Trop bien. Je suis beaucoup trop fort. Monsieur, qu'en pensez-vous? Les dés. Vous avez trouvé des dés 20. Utilisez ces dés pour faire pencher la balance du destin en votre faveur. Pour vous ajouter des dés, votre chance de réussite est son plus grande. Ok. Oui. Oui, oui. Donc là, écrit. Ça, ça va être des ressources, je pense. Ours enfermé. Un beau spécimen d'ours tourne fiévreusement dans sa cage. Il semble avoir été abandonné car ceux qui l'ont capturé. Par ceux qui l'ont capturé, il ne survivra pas longtemps s'il reste ainsi. D'un autre côté, le libérer pourrait se révéler dangereux. Ouvrir la cage. L'animal attaque, l'animal vous adopte 15-20, ok. Et si j'en lance un? Est-ce qu'on voit un peu des stats qui changent? Non. Ah ouais, mais en fait, si je lance plusieurs dés, ça permet d'avoir plusieurs... Vas-y, je jette 2 dés. 16, hop, l'animal vous adopte. Et ouais, mon pote. Ouais, c'est bon, c'est ce que c'est qu'un gardien. Fous-moi la paix. Ça y est, on a toute la... Toute l'arche de Noé qui nous suit, on a un ours, un loup, tout va bien. Vous avez trouvé un campement. Les campements sont rares et n'ont pas de ressources que pour un arrêt. Et non, assez de ressources que pour un arrêt. Vous avez eu un bon moment lorsque vous campez, toutes vos équipes, votre équipe est soignée. Vous récupérez les cartes de votre défaut, vos gardiens terrassés sont ressuscités, vous pouvez donner grâce à la tortue cosmique, vous pouvez personnaliser vos cartes. Ok, d'accord. Donc les cartes que j'ai utilisées, en fait, elles sont dans ma défausse. Il n'y a que le campement qui va me permettre de les emporter les chamallows. Oui, camper. Il n'y a que ça qui me permet de récupérer le card. Donc il faut faire attention à ce qu'on utilise, effectivement. Bah c'est bon, j'ai fini de camper. Ah oui, là on choisit, ok, trier, c'est bon. Non mais c'est bon, t'inquiète. Level camp.
lever le camp. Alors pour le coup, pour le moment, le jeu est plutôt intéressant. Ce qui va vachement jouer, c'est combien on va avoir de... le nombre de pets, hein, que typiquement, c'est hyper important d'avoir beaucoup de cartes à jouer différentes dans ce genre de jeu. Yes, de la thune. Un petit donjon, là. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Alors, le loup a des pop, parce qu'il faut que je le réinvoque, je pense. Et là, je pense qu'il est pas content. Invocateur, inflige poison, ok. Ok, on va lui envoyer un petit écureuil. Les élites sont des invocateurs ennemis contrôlés par un guide inconnu de l'autre côté du voile. Les élites sont repérables, leur badeur est décorée. Comme vous voyez, invocateurs, les élites ont des aptitudes spéciales. Ils peuvent lancer des sorts, faire un clic droit sur unité pour voir ses caractéristiques. Terrasser invocateur et la victoire est immédiate. Ok. Vous avez atteint le repère du boss, terrassez-le pour compléter ce chapitre de votre destin d'invocateur. Très bien. Alors, on va donc envoyer l'écureuil. Ouais, comme ça. Qui va devenir un gros écureuil bien vénère. Et on va balancer l'invoque des deux écureuils ici. Des deux lapins, pardon. Comme ça. Lui, peut-être qu'il va frapper... Ah, il se fera pas tuer. Enfin, pas. Vous y êtes presque. Courage. Merci. Poison. Vous avez été empoisonné. Vous étiez empoisonné par la vie. À chaque fois que c'est leur tour de combattre, vous pouvez stopper le poison avec un sort de soin, un soigneur ou un... Vous reposez, ok. La musique a changé, t'es là. Okay. Vas-y, je le soigne. Oh là 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 là. Trop, si fort. Par contre, l'ours, quand il me regardait, il me faisait un peu peur. Faut vous calmer avec votre tête d'ours. Hop, il bute le lapin. Mais t'es fou, toi. Fais deux dommages physiques à un ennemi, ça. Mec, contre-attaque. Ah non, elle m'a tapé dans le dos. Oh, elle m'a tapé dans le dos. Ok. Ah, il invoque plein de trucs. Hop, il m'a tapé dans le dos. Il m'a tapé sur le côté. Oh, je suis mort. Merde. Merde, merde, merde. Il a repris de la vie, là, non? 7 PV. Ouais, carrément. Ah, l'ours, par contre, il est pas venu pour enfiler des perles. Ça me plaît. Ça me plaît. J'ai l'impression qu'il clive. Ouais, il clive de ouf. Ok. Hop, vas-y. C'est mort, ça, mon pote. Victoire. Parfait. Parfait. Et la seule perte que nous avons vraiment eue, des passe-partout, okay, on s'en fout. Volant, inflige immobilité, ok. Bouscule, vulnérable au feu, je s'appelle route. Très bien. On récupère de la vie. Et on va sauver la tortue. Voici la tortue cosmique, cette mystérieuse tortue a le pouvoir de voyager à travers les dimensions et joue un rôle dans la destinée de tous les invocateurs. C'est elle qui porte le fardeau des cartes trouvées lors de vos aventures. Lorsque vous établissez un campement, la tortue vous y rejoindra désormais. Utilisez-la comme un portail pour vos aventures et les combats et pour libérer votre créativité en construisant des jeux de cartes fantastiques. Parfait. Portail vers la fin du monde, êtes-vous prêt? Prochain monde, let's go. Donc là, on va... Ouais, c'est ce que je... Nouvelle carte débloquée, ok, donc un mage, un dragonnet, ok, plutôt cool, j'aime bien la DA. Juste, je suis curieux, quand on finit le tuto, on va faire un combat, 4 à 6 minutes, let's go. Lanceur d'écureuil, choisir son équipe, non. Non disponible dans les mots, invoquer 20 élémentaires, ok, mais coup dur, vas-y, lui, j'aime bien. Ok, on peut voir, il y a pas mal de... Wow, il y en a beaucoup. Ok, champion. Parfait, combat. Est-ce que ça va me chercher un joueur? Non, ouais, ça me fait jouer contre l'IA. Parfait. L'IA qui joue avant moi, bien sûr, sinon c'est pas amusant. Ok. Bim! Je prends la dose. C'est quoi mon attaque? Invocateur, allonge, par les sorts, vos sorts, rendez dommage. Ok. Ça a l'air d'être deux... Oh là là, oh là, oh la nuance. Ils ont pas beaucoup de mouvement. Ah, merde, ouais. Couette. Ouais, fin du tour. Allez. Il se donne de l'attaque en plus. Paf, il me tape sur le côté. Contre-attaque, zip. Ah, il lui fout le feu. Il lui fout... Bouscule, ouais, c'est... Bon, lui, il va crever. Il est mort. Merde. Merde, merde, merde. Fais 3 dommages de glace à un ennemi congélé. Ah, vas-y, toi, hop. Il est pas mort, dommage. Ah merde, non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Non. Merde, 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 je suis... Oh, con. Starling. Oh, piou-piou.
Cui-cui, le petit oiseau, cui-cui. Ah oui, si je clique, ça pose. Bim, le petit oiseau, tu fermes ta gueule. Il me reste combien de PV, là? Ah, putain. Vaillant. Vaillant est appliqué lorsqu'un effet étourdissement comme congelé, pacifié ou pétrifié s'estompe pour éviter d'être perpétuellement bloqué de la sorte. Ok, ouais, on peut pas se reprendre un snare. Très bien, tant mieux. On va mettre un petit dragonnet, là. Hop, le cactus. Oh. Est-ce que je peux y tirer dessus? Dragonnet, t'as pas de distance, hein? Ouais, parfait, vas-y, touche mon mec, t'as raison. Exactement ce qu'il fallait faire. Putain. Il me tue mon golem, ok. Ton âme est mienne, donne aux compagnons un ennemi vaincu, quoi? Corrosion, détruit l'équipement et bonus d'un ennemi, ok. Pas de soucis. Ok, je pense que je suis empoisonné, là. Hop, on remet ça. Est-ce que je peux lui... Ah oui, c'est un corps à corps, ok. 4 PV, je tape à 3, ça ne suffit pas. Si je fais ça, par contre, existe. Il est allé dans mon piège. Qu'est-ce que t'es nul. Il est nul cet ennemi. Hein. On va se rapprocher quand même. Je pense que lui il va mettre sa toile et j'aurai l'air con. Après, je pourrai plus aller vers le boss. Sorcière elfe noire. Ah là, il invoque plein de trucs. Je vais me faire buter. Ah, il contre-attaque et il me brûle le cul. Ouais, on tente. Bon, il peut pas bouger. Il peut pas bouger. Il m'a dragonné quoi? Ah, c'est pas. C'est pas le mien, putain. Ah, oh, c'est pas le mien, putain. Vas-y, on frappe. Pourquoi il frappe avant moi, lui? Sérieux? Est-ce qu'il y a mal d'invoque? Non. J'ai gagné. C'était putain de pas gagné du tout. Je suis trop fort en fait. Je suis trop fort. Il est trop simple ce jeu. Ok, parfait. Eh ben, on aura vu donc de quel bois se chauffer à Balonne. Clairement, je trouve que peut-être un peu cher. Peut-être un peu cher. 8,99€. Ça va énormément dépendre de tout ce que contient l'aventure. Ça peut être très intéressant. Il y a beaucoup de choses à débloquer visiblement. Et 33 pages. Donc ça, par contre, c'est assez ouf, hein, clairement. Donc à voir en vrai. J'aime beaucoup le style graphique. Je trouve que c'est pas mal en fait au niveau du gameplay. Donc je suis curieux. Mais moi personnellement, j'attendrai une réduc pour peut-être me lancer dedans. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en as pensé dans les commentaires, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut.